J'aimerais qu'il y ait quelque chose de savoureux dans mon coffre-fort. Laissez-moi d'abord vérifier. Oh, je pense qu'un iPhone à l'intérieur. Oh, c'est tellement beau. Il faut capturer ce moment mémorable dès maintenant. Ted, t'es pas le bienvenu ici, en fait. Oh, mais je voulais juste des selfies. Donne-moi le téléphone. Lâche-le, je vais le faire tomber. Oh, non. Oh, ouais, déjà tombé. Oh non, il s'est écrasé. Dis-moi que je rêve. Tiens bon, Ted, je vais t'attraper maintenant. Vas-y doucement, Marie. No. Tu dois expirer et te détendre. Oh, merci, Monica. Tu m'as sauvé. Oh, l'heure des comptes arrivera de toute façon à un moment donné. Oublions tout cela, voyons ce qu'il y a dans mon coffre. Une grenouille? Oh non! Oh! Elle s'est enfuie quelque part. Oh non! Par d'ici! Oh non! Je pense que c'est sur ma tête. Aidez-moi! Oh, je sens quelque chose dans ma bouche. Oh, c'était une grenouille! T'as eu finalement ce que tu méritais, Ted. Voyons ce que j'ai. Le coffre est vide? C'est bizarre. Non, regarde! C'est un cylindre! Qu'est-ce que je suis censée faire avec? C'est vide à l'intérieur. Et si on y mettait une grenouille? Oh, jetons un coup d'œil. Oh, pas possible, elle est devenue chocolatée. Mon plan a fonctionné. Rends-la moi, c'est ma grenouille. C'est délicieux, j'aime beaucoup mieux comme ça. Quand c'est bon. Miam. J'ai envie de faire quelque chose comme ça aussi. Je vais mettre mon téléphone cassé dans le cylindre. J'espère que ça va marcher. Oh, ça sent le chocolat. Oh, mais c'est des gaufres aussi. Oh, quand c'est bon. C'est mon cylindre, je vais l'utiliser à partir de maintenant. Oh non, pourquoi elle a fait ça? Monica s'est transformée en une statue de chocolat. Peut-être qu'on doit la manger? Commençons par les doigts. Regarde, Marie. Ted, mais cela fait partie de notre Monica. Ne les mange pas, je t'en supplie. Oh, je ne vais pas le nier. Monica et moi, nous avons beaucoup de choses en commun. C'est mon amie. Oh, j'adore. Comment j'ai pu laisser cela se produire? T'as raison, je dois remettre le doigt. Nous avons besoin de Monica. Oh, Monica, tu nous as manqué. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon doigt? Oh, je n'en ai aucune idée. Nous n'avons rien vu. Encore des coffres. Je serai de nouveau la première. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La baguette magique. Comme elle brille magnifiquement. Ça sent bon. Mais c'est immangeable. Marie, que fais-tu? Tu dois faire un miracle avec ta baguette magique. Ah, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Pas besoin de me pousser avec une baguette. Est-ce que ça sent le brûlé? Oh, je pense que je suis en feu. Qu'est-ce que c'est sur mon dos? Quel trou énorme! T'as fait ça, Marie! C'est toi qui as fait ça? Ou toi? Désolée, c'était un accident. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. J'espère que le contenu du coffre me remettra le moral. De la crème glacée! Un pot entier! Oh, waouh! Où est ma cuillère? Je ne peux pas l'enfoncer, c'est gelé! Allez! Oh non, j'ai plié la cuillère! D'accord, j'ai une alternative. Bon, tout ce que je dois faire, c'est pousser un peu plus fort. Oh, et je l'ai fait. Enfin, je vais le goûter. Et c'est génial. J'adore ça. Pourquoi ne pas partager avec tes amis? Non, jamais de la vie. Oh, tes radins. Pourquoi tu fais ça? Oh, non, il commence à faire froid ici. Ah, mais j'ai une idée. Je vais te réchauffer. Oh, comme c'est bon. Merci, Marie. Mais la crème glacée est toujours à moi. C'est dommage qu'il n'y en a plus. Yeah! Maintenant, moi, je vais ouvrir le coffre-fort. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans.
C'est désagréable au toucher. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, ce n'est pas juste. Laisse-moi t'aider. Oh, c'est un steak cru. Pauvre Monica, t'as de gros problèmes. Bon appétit. Merci, mais je n'ai pas envie de manger. Oh, la viande est si dure. Je n'arrive pas à prendre une bouchée. Oh, c'est reparti. Je vais devoir t'aider. Marie, rejoins-moi. Accroche-toi bien, nous commençons. Ah, non. Horrible. Pendant que Marie n'est pas là, je vais utiliser sa baguette magique. Je l'utiliserai pour faire un bon steak croustillant, rien de temps. Allez, vas-y. Oh non, vas-y, baguette stupide. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Ma tête! Pourquoi elle tombe comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! On dirait que la baguette s'est calmée. Oh, j'ai réussi le steak! Comme c'est bon! J'adore ça! Qui va commencer cette fois? Oh, moi! Oui, c'est moi! Mais il semble y avoir quelque chose de délicieux à l'intérieur! Boisson de Mars! Ça a l'air divin! Mais pourquoi c'est si serré? Allez, ouvre-toi! Ted, laisse-toi donner un coup de main. Oh, mais comment t'as fait ça? Oh, pas grave. L'important, c'est que je peux le voir. Je peux sentir les regards sur moi. Ok. J'ai compris, tu veux l'essayer? Mais je ne vais pas partager. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais t'aider. Qu'est-ce que t'as fait, Marie? Je suis tout mouillé. Stupide cocktail. Vas-y, Marie. Oh, arrête. Comme tu veux, mon pote. Mais j'ai le sentiment que je ne vais pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi cette odeur? C'est le fromage. Horrible. Oh non, comment je vais le manger? Oh, horrible. Mange ton propre fromage. Stop. Oh, j'ai une idée. Arrête. Vas-y. Oh non, ça a du mal à rentrer dans la bouche. Mais t'as réussi! N'oublie pas de manger le reste! C'est cruel, Ted! Tu n'as pas besoin de m'aider, je vais le faire! Oh! Mais bravo! Vas-y, t'es un vrai héros! Vas-y, mange encore! Mais j'ai une idée! T'as fini! Comment tu fais? Tu manges tellement! Et encore? Et je mange encore? Et j'adore ça! Ouais! Maintenant, toi, Monica, il y a quelque chose de magique là-dedans. Oh, un seul bonbon! Si peu! Ouais! Ah ah, comme c'est drôle! Miam! Ah ah, allez, t'es pleine! Oups! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un bonbon. Je pense que c'est tombé directement du ciel. Ok! C'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Encore des bonbons? Encore 4 en même temps! 2 x 4, c'est ce que veut dire. Ouais, décompte les équations. Ah ouais! Les bonbons se doublent! Je dois en manger de plus en plus! Maintenant, il devrait y avoir 8 bonbons. Ah, 16! Oh, c'est beaucoup! C'est beaucoup de bonbons! Oh oh! Oh ouais! Excellente idée! On va t'aider! Allez! Recommençons! Eh bien que non! Décidons honnêtement! Je commence! Je pense qu'il y a quelque chose de délicieux! Et oui, c'est le Nutella! Génial! Je n'avais pas tort! Enlevons le couvercle! Oh, tu me l'as jeté en plein figure! Désolée, le Nutella m'a fait tourner la tête! Comme c'est bon! J'adore ça! J'aimerais l'essayer aussi! Pas question, Ted! Retourne! Oh, j'adore! Mais non! J'ai rien du tout! Ah, j'adore la pâte de chocolat! Oh non, maman s'est coincée! Tout est à cause de ta cupidité, Monica! Très bien! Je vais t'aider! Allez, tire plus fort! Oh oui! J'ai réussi! Et oui!
Vas-y, vas-y. Oh non, c'est vide. Vas-y, lève-toi, Monica. Ah, maman est libre. Il y a encore de la pâte. Génial. Maintenant, toi, Ted. Ça ne me dérange pas. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Oh non, quelque chose de dégoûtant. Oh, oh les poissons. Ça pue. Mais je dois le manger. Oh. Mais que tu n'as pas de chance, Ted. Non, j'en veux pas aussi. Je n'ai pas envie non plus, c'est dégoûtant. J'en peux plus. Oh. Mais pourquoi tu l'as mis sur mon nez? Prends ça. Vas-y. Oh, oh, pourquoi t'as fait ça? Oh, je vais m'allonger un moment. Ce poisson n'est rien d'autre que des amis. Oh, c'est beaucoup mieux. Voyons ce que nous avons là. Je ne vois rien. On dirait que le coffre est en train d'aspirer le pot. What? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, non! Ah! Elle est où? Elle est partie! Vas-y, je vais te sauver! Oh, je ne comprends pas. Où est tout le monde? Il ne reste que le coffre de Marie. Oh, je suis en train de me faire aspirer! Voilà la nourriture. La classe. Laissez-moi ouvrir l'assiette en premier. Waouh, le chocolat. C'est 10 sur 10. T'as beaucoup de chance, Zach. J'adore le chocolat aux noix. Ça a l'air très savoureux. Ouais, c'est tout simplement divin. Les noix sont si agréables à croquer dans la bouche classe. Zach, donne-nous-en un peu, s'il te plaît. Je n'ai rien du tout, désolé. Marie, ouvre ton assiette. D'accord. Pas ça. Fromage plein avec de la moisissure. Il n'y a rien à respirer. Fais quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Juste fais et mange le plus vite possible. Vas-y, Marie. Zach, mais je ne veux pas. Ce fromage a l'air dégoûtant. Je vais vomir. Si c'est le cas, c'est sur ta conscience. Oh, terrible. Non, tu peux pas. Tu dois tout manger. Marie, désolée, tu m'as forcé. Que fais-tu, Zach? Il n'y a pas de retour. J'ai dû le faire. Mon Dieu, je suis malade. Je suis toute verte. Oh, c'est vraiment horrible. Maintenant, on va s'étouffer. Oui, t'as raison, Monica. Je ne peux pas respirer. J'ai trouvé quelque chose. Il suffit de mettre une pince à linge sur le nez. Voilà. On dirait que la pointeur est un peu altérée. Je vais essayer de revenir. Il est temps de voir quel genre de nourriture j'ai. Waouh, des chips! Eh oui, en forme de bonne nouvelle. Il semble y avoir un paquet complet là-bas. Vas-y, Monica, bonne chance. Waouh, Monica a des chips. Salutations. Elles ont l'air parfaites. Je savais que la nourriture ronde ne me laisserait pas tomber. Une seconde. Mais ce n'est pas tout à fait un cercle, mais plutôt un ovale. Ce n'est rien, je sais ce qu'il faut faire pour arranger les choses. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai cercle. Je comprends pas ce qu'elle fait. Maintenant, vous allez te voir par vous-même. Waouh! Comment est-ce possible? Vas-y, Zach, c'est magnifique, non? N'aurais même pas de l'essayer. Toutes les chips sont à moi. Maintenant, elles ressemblent exactement à un vrai cercle. Donc, elles appartiennent à moi et seulement à moi. Quel croustillant! Super! Oui, c'est le paradis. Monica, t'as raison. C'est délicieux. Cette fois, commence Monica. Cactus? Je ne crois pas à mes yeux. C'est très épineux. Et comment je le mange? Pauvre fille, tu n'as pas beaucoup de chance cette fois. Mais rien à faire. Bon appétit. Oh non, je ne sais même pas le toucher. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans une confusion totale. Une seconde. Je pense que j'ai une idée géniale. Vous devez couper toutes les aiguilles avec les petits ciseaux. C'est une bonne idée, Monica. Chez toi, c'est merveilleux. Eh bien, maintenant le cactus n'a pas l'air intimidant. Je ne pense pas que ce soit délicieux, mais sans aiguilles, c'est en tout cas mieux qu'il ne l'était. Cancer mer. Oh, je n'aime pas cette nourriture du tout. Horrible. C'est une
véritable horreur. J'ai maintenant envie de vomir. Désolée. C'est vraiment horrible. Monica, dépêche-toi. C'est dégoûtant de le voir. C'est tout. J'ai fini. Maintenant toi, Zach. J'espère que ce n'est pas un cactus. Waouh, un sandwich. C'est une agréable surprise. J'ai dit que la nourriture carrée est la plus délicieuse. Maintenant, vous pouvez le voir par vous-même. Maintenant, je vais vous montrer comment manger vraiment beau. Je vais mettre une serviette pour ne pas se salir. Eh bien, il est temps de manger. Oh, il semble que j'ai oublié quelque chose d'autre. J'ai besoin de couverts. Une fourchette et une cuillère conviendront parfaitement. Et maintenant, la chose la plus importante, la sauce. Un sandwich sans ketchup n'aime pas du tout ça. J'ajouterai plus pour obtenir très juteux. Je vais baver. Zach, dépêche-toi, s'il te plaît. Comme tu veux, Monica. Tu vois, j'ai déjà commencé. Il s'avère que couper un morceau de sandwich n'est pas si facile. Avec toi, tout est en ordre. Tu utilises une cuillère pour cela? Et t'as besoin d'un couteau? Je vais devoir les démarrer. Je pense que ce sera plus rapide. Ne résiste pas, Zach. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais profiter de chaque bouchée. Bien que cela se soit avéré beaucoup plus rapide, merci. Okay. Maintenant, toi, Marie. Un cornet de glace? Oh my! Dites-moi que je ne rêve pas. Quel délicieux! Je suis juste ravie. Désolée, Marie, mais la glace ressemble à un vrai cercle. C'est pour ça que je dois le manger. Comment c'est délicieux, la classe? Oh non! Que fais-tu, Monica? Arrête-toi! C'est ma nourriture, et maintenant ça va devenir triangulaire. Je vais prendre le sèche-cheveux et faire fondre la glace. Oh waouh! Il faut prendre la forme d'un cornet! Oui, Zach, c'est vrai. C'est mon plan. C'est prêt. Maintenant, tout est à moi. Comment ça va, Marie délicieux? Oh, c'est juste vivant. La meilleure nourriture du monde. Oh, Radine, tu pourrais me donner de la glace? Tu peux au moins nous offrir un verre, hein, Zach? Trop tard, j'ai déjà tout mangé. Mais croyez-moi sur parole, c'était délicieux. C'est ce que j'appelle de la musique. Stop! Vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? Suzy, qu'est-ce que tu fais? Qui sont ces gens? N'entre pas sur ma propriété. Nous étions d'accord là-dessus. Ce sont des travailleurs. Ils m'ont aidé à m'embellir ma pièce. Décorer? Mais pourquoi t'as plus autant de travailleurs? C'est pas comme si tu construisais un palais. Comment le serais-tu? Peut-être c'est un palais. Donne-moi le plan. Oui. Waouh! Donne-moi le plan, là! Hé! Hey, donne-moi ça! Stop! Tu ne peux pas franchir la ligne. C'est très bien, j'ai déjà terminé. Merci. Voilà, c'est pour vous. Oh, sacré plan! Je vais te montrer comment transformer une pièce en quelque chose de beaucoup plus cool. Je peux faire une maison cool sous le lit, hein? Rien de temps! Ouais! Comme ça! Et j'ai pas besoin de travailleurs! Mais quoique, c'est pas très parti pour les heureux. Qu'est-ce que tu fais? C'était mon idée! Oui, une maison sous le lit, honte à toi, voleuse! Ce n'était pas ton idée de faire une maison sous le lit. Alors ne m'en veux pas. Alors, c'est bien plus cool, ma maison. Je sais. Je te donne la permission de me regarder et d'être jalouse. Je passe un très bon moment ici. Ouais. Oui, bien sûr. Moi aussi, je vais me faire un endroit très cool. Waouh! Des réductions sur les jouets? Je devrais visiter cette boutique. Bah les pattes, ne touche rien. Vous ne pouvez que regarder. D'accord, d'accord. Je ne faisais que regarder. Personne n'ose prendre mes jouets. Surtout gratuitement. Waouh! Il y a des Huggy Wuggy. Les mains. Ouais, je me souviens. Waouh! Il y a un énorme Huggy Wuggy.
Bien sûr, il est tellement cool. Je n'ai pas autant d'argent, mais je pense que je vais résoudre ce problème avant que le gardien ne le voie. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que quelque chose ne va pas. Mais quoi? Salut! Ça va? Ah! Un jouet qui parle! À l'aide! J'ai besoin d'aller de toute urgence dans ma chambre secrète! Quelle horreur! J'espère que personne ne me trouvera ici! Je peux me détendre et me reposer! Bonjour, petit canard. Tu devrais savoir ce que je viens de voir. Mais quelle lâche! Mais j'ai pas une voleuse. Alors, voici tout l'argent que j'ai. J'espère qu'il y en aura assez pour quelque chose. Suzy, sois prête! Maintenant, j'ai quelque chose à mettre sous mon lit. Et c'est quelque chose de beaucoup plus cool que le plaid ordinaire. C'est un plaid agiwagi! Oui, c'est un peu bizarre. Il est maintenant temps de décorer la chambre avec des posters et de toutes sortes d'autres trucs sympas pour créer une atmosphère chaleureuse. Ah. Oui, j'en aurais bien besoin aussi. Ah, ma maison a l'air plus cool que la tienne. Ça ne sera pas pour longtemps, je pense que je vais trouver un moyen de rendre la pièce plus jolie. Oh, qu'est-ce que t'as construit? Papa, je peux avoir un sac? Non, j'ai besoin d'un sac rose et pas un sac à dos. Je veux être une écolière et pas un écolier. Merci beaucoup, t'es très gentil. Oui, c'est magnifique. Ils ont construit un vrai palais. Oh, c'est qui, bon sang? Ouais, Agiwagi est aussi une excellente protection contre tous les enfumes. Bon après-midi, j'ai finalement emporté mon essai. Vous pouvez le vérifier? Bien sûr, il est grand temps. T'es vraiment intelligente. Vous devez avoir faim. Vous voulez une pomme? J'ai juste ce qu'il faut. Je ne dirais pas non. Oh, désolé. J'ai pas fait exprès. Ouais. Donnez-moi dans les mains la prochaine fois. Oui, c'est ma chance. Je suis désolée, mais j'ai besoin de la planche. Je l'ai trouvée. Hé, t'es où? Il est au mon tableau. Et comment je vais enseigner aux enfants? Bon, l'important de ne pas s'inquiéter, je connais un moyen de faire sortir toutes mes émotions. Tiens, tiens! Ouais, une pomme tu dis? Tiens pour la pomme et tiens pour le tableau! Ah, Monica! Jess, maintenant j'ai quelque chose de bien plus cool que les posters. Je peux faire toutes les affiches que je veux. Regarde, envie-moi. Quoi? Mais d'où t'as ça? Et pourquoi t'en as besoin? Tu ne sais pas comment dessiner. Ah, je sais pas dessiner. Mais comment tu oses? Ah, je devais te montrer. Qu'est-ce que t'as? Ah, 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 pchit! Ah, ça te va très bien. Comme si c'était à ce que tu devais ressembler. Très drôle. Tu me donnes envie d'aller me laver. L'idée du tableau noir était géniale. Qu'est-ce qui pourrait être plus cool qu'un énorme dessin que tu peux toujours changer? Il reste à compléter la chambre avec des différents jouets mignons. Par exemple, cette lampe à forme de licorne. Une lampe qui a besoin de ta lampe quand tu as la guirlande entière. Regarde et apprécie. Ouais, c'est magnifique. Quoi? C'est vraiment très beau. Qu'est-ce que je vais faire? Ma licorne a l'air pathétique. C'est sûr. Elle n'est pas comparable à ma guirlande. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai aussi besoin de quelque chose de cool. Et je pense que je sais où l'obtenir. J'ai un ami? Je suis le Hulk, le méchant et effrayant Hulk. Et content, tu peux m'aider? J'ai besoin de cet ours là-bas. Je vais peut-être le prendre. Mon ours en peluche? Je l'adore. Alors non, tu ne peux pas. Pour qui crois-tu être aussi avide? Et si je te donnais le Nutella par exemple? Oui, je ne suis qu'un enfant, mais même moi je réalise que c'est un peu trop petit. T'es si crétin! Et les chips?
Gros Pringles, des chips. Oui, je ne dirais pas non aux chips. Non. Mais ce n'est pas suffisant, nous avons besoin d'autre chose. Encore? Bon, il ne me reste qu'un seul de crème glacée. Ça te suffira? Ouais. Donne-le ici. Ah, je peux avoir l'ours? Ouais. Mais donne-moi la glace. Oui, merci beaucoup, Quentin, je dois y aller. Qu'est-ce que c'est? Où est la crème glacée? Alors t'essaies de me piéger, hein? Je vais te montrer comment tromper Quentin. J'ai besoin d'aller à la loge tout de suite. Oh, mes fidèles aides, cette mime m'a trompé. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Comme dessiner une moustache sur une photo. Ah, je vois que Pikachu est vraiment heureux. Ouais! Bien fait pour toi, Suzy la tricheuse. Oh, je suppose qu'elle n'a toujours pas réalisé que je l'ai piégé. Mais j'ai bien eu l'ours. Enfin, je vais pouvoir me faire un vrai ciel. Des nuages qui brillent de différentes couleurs. Yeah. Oui, c'est magnifique. Il faut juste de l'éclairage. C'est très beau. Oui, j'adore ça. C'est mieux qu'une guirlande lumineuse. Je vais avoir faim. Alors un frigo rempli de toutes sortes de bonnes choses ne ferait pas de mal. Un frigo? C'est vrai. Mais c'est pas suffisant pour moi. Je pense que je sais où je peux trouver un. Maman, je suis désolée. Je vais le récupérer plus tard. Waouh! Tu vas voir avec ce gros frigo. Il n'y a jamais assez de nourriture. Quoi? What? Où est le frigo? Où sont les nachos? Je ne comprends rien. Non, mais tous les trucs pour les invités, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas tourner le dos une minute. J'espère que je pourrai au moins sauver le gâteau. Stop! Moi, fille, je savais que c'était toi. Oh, je suis tellement en colère. C'est bon, j'ai besoin d'aller dans ma cabine tout de suite. Quoi de neuf, l'araignée? Je suis venue pour soulager le stress. Tu devrais savoir comme c'est difficile avec cette brute, mais ici je peux oublier tout ça et me détendre. Voilà, c'est ce qu'il faut. J'aime bien ça. T'étais où? Pourquoi t'as le gâteau? T'es juste jalouse parce que tu n'as pas de gâteau. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais boire du thé avec les Wagi Wagi. Non, arrête. Tu ferais bien de partager avec ton ami. Comme je suis fatiguée de rester allongée. C'est cool d'avoir une télé. Tu peux regarder tellement de choses cool. Oui, regarde, Jess. C'est vrai. J'ai besoin de la télé. Oh, j'ai tellement faim. Il faut que je prenne quelque chose. J'ai vraiment besoin de la télé. J'espère que papa ne va pas se fâcher, vraiment. Oh! Salut, ma fille, ça va? Salut. Oh, t'inquiète pas, je viens de voir la télé, t'es de travers. Oh, merci beaucoup. Attends, où est ma télé? Voleuse! Non, mais en plein milieu de la journée, on t'attoie! Chérie, je t'ai apporté quelque chose à boire. Tu veux du coca? Ah oui!
C'est bizarre. Je sais où il est. Oui, j'ai tout compris. Oh, fermez la porte, honte à vous. Qu'est-ce que t'as fait? C'est la télé de papa. Mais tu n'as pas honte de toi? Moi? T'es juste jalouse de moi. Maintenant, je peux regarder, écouter ce que je veux. Bon. Non, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est cool. Oh, génial! Oh, je suis déjà fatiguée. J'aime la nuit. Et moi, je vais m'amuser comme une folle. Regarde ce que j'ai apporté. C'est une vraie bataille de danse. Je te rends rien de temps. Regarde et apprends. Oh, ce n'est rien de génial. Je vais gagner, moi. Comme c'est amusant. Oui, c'est très amusant. On a gagné! Félicitations. Oui, ma sœur. Il faut qu'on fasse cela plus souvent. C'est vrai. Vas-y, on continue.